الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام الأولياء والمتقين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. نظرا لضيق الوقت المتبقي ولقلة الحاضرين بعد تناول الوجبة لعلنا نقتصر في حديثنا هذا على اللغة الفرنسية، وهذا من مراعاة المصالح والمفاسد. طيب mes frères, vu le temps qu'il reste et le nombre que vous êtes, nous allons nous limiter à la langue française afin qu'inch'Allah on ait le temps de tout dire. Il faut prendre en considération les avantages et les inconvénients. Al-Mafroud, c'est ce qui est prévu. C'est une exhortation concernant le jour du jugement. Mes frères, Allah Azza wa Jal nous a créés. Et sachez que nous avons tous deux vies et deux morts. Deux vies et deux morts. Et plus précisément, on commence par la mort et on finit par la vie. Allah dans le Coran nous rapporte la parole des gens en enfer qui diront « Rabbana amattana snatayn wa ahyaytana snatayn » Ô notre Seigneur, tu nous as fait mourir deux fois et tu nous as fait vivre deux fois. Donc le début du voyage c'est la mort. Le début du premier voyage. Et le début du second voyage, c'est la mort. Et nous, on a tendance à dire que la fin du voyage, c'est la mort. Allah Ta'ala, il dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie. As-tu vu comment Allah Ta'ala a commencé par la mort après, ensuite, avant de citer la vie? Et avant que tu ne vives, avant que tu existes, tu n'existais pas. Donc tu étais mort. Et Allah Azza wa Jal a envoyé un ange 3 fois 40 jours après que la goutte de sperme se soit installée dans l'ovule. Après que cette goutte se soit transformée en caillot de sang. Et après que ce caillot de sang se soit transformé en, entre guillemets, pâte mâchée, moudra. Vous avez vu d'ailleurs dernièrement les recherches, les découvertes qui te montrent le fœtus à, un certain stade de son évolution qui ressemble à une pâte mâchée, avec la trace des dents qui font référence ou bien office de colonne vertébrale, du moins préparation. Ensuite, ba'da an takuna al-alaqatu mudratan tusbihu إيش عظاما ثم تكسى العظام باللحم كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه العظيم. المهم, tu passes des étapes dans le ventre de ta mère. Après 3 fois 40 jours, donc 120 jours, c'est-à-dire 4 mois, Allah Azza wa Jal t'envoie un ange. Et il lui ordonne d'inscrire 4 mots. Kalimat. Maintenant, le mot kalima en arabe, il indique un mot, mais il peut aussi indiquer une phrase. Regarde dans le Coran, Allah Ta'ala dit Innaha kalimatun huwa qailuha. C'est une parole qu'il dira et pas un mot qu'il dira. Parce que le mot qu'il dit juste avant Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Et Allah, fais-moi revenir afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Est-ce que c'est un seul mot? Non. Donc le mot kalima, même si c'est traduit en arabe par un mot, il peut vouloir dire aussi un ensemble de mots, donc une phrase. Donc Allah, il ordonne à l'ange d'inscrire
quatre choses. Ce que les savants ont divergé, où est-ce que là, pardon, où est-ce que l'ange inscrit ces quatre choses? Il y en a qui disent sur son front. Il y en a qui disent sur le front du bébé, l'ange il inscrit ces quatre éléments. Qui sont? Katbi rizqi, la subsistance qu'il va obtenir, de sa naissance à sa mort. Wa amalihi, et les actions qu'il va commettre jusqu'à ce qu'il meure. Les ukhtalaf aussi, ils ont divergé, est-ce que ça implique les actions qu'il commettra avant d'être responsable de ses actes ou non? Il y en a qui disent non, ce ne sera que les actions qu'il commettra à partir du moment où il sera responsable. D'autres qui disent non, c'est global, et ça montre encore plus la globalité de la science d'Allah Ta'ala concernant les actions de ses serviteurs, que ce soit avant la responsabilité ou après. Troisièmement, ajalihi, yani la fin de sa vie. Et enfin, shaqiyun am sa'id, est-ce qu'il fera partie des tristes en enfer ou des heureux au paradis? Donc tous ces éléments-là sont inscrits sur ton front d'après certains savants, alors que tu n'as que 4 mois dans le ventre de ta mère. Même Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, dans son charh de l'Arba'in Namawiya, il dit: et il ne faut pas s'étonner de cela. Ne vois-tu pas aujourd'hui que dans un appareil petit comme celui-ci, tu peux mettre des heures et des heures de parole? Le MP3. Hein? Le meilleur ami des frères du 21e siècle. Et then, ensuite tu vis. Tu nais. Tu arrives ici-bas. Et dès que tu sors du ventre de ta mère, tu te tapes par qui? Par qui? J'ai entendu... Le prophète dit alayhi salatu wassalam que Shaytan, il a avec tous les nouveau-nés un coup. Et le seul qui en a été préservé, c'est Isa ibn Maryam alayhi salam. Le seul qui a été préservé de ce coup-là. Donc dès que tu arrives dans ce moment, Shaytan il attaque, direct. T'as même pas fait, oh c'est bien, tu as déjà pris un coup. Pour te montrer pourquoi il fait ça, alors que t'es un bébé, tu sers à rien, tu fais rien, tu peux rien faire. Lèche. Pour te montrer la adawa. Pour te montrer l'animosité qu'il y a entre lui et les fils d'Adam. Et regarde dans le Coran, dans de nombreux passages, Allah Ta'ala, il rapporte cet événement. Lorsque Iblis, alayhi la'natullah, il a donné sa parole que il se posterait en obstacle sur la voie du fils d'Adam. قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Dis à Allah, par le fait que tu m'aies بِمَا أَغْوَيْتَنِي, par le fait que tu m'aies égaré, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, je m'assierai, sur ton chemin droit. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ, et je viendrai à eux, face à eux, ou bien derrière eux, ou bien sur leur droite, ou bien sur leur gauche, et la plupart d'entre eux ne seront pas reconnaissants envers toi. Dans notre ayah, Al-Muhim a beaucoup de versets qui font référence à l'animosité de Shaytan vis-à-vis des êtres humains. Et cette animosité, elle commence dès la naissance. Ensuite, tamurru bimarahila adida. Tu passes par de nombreuses étapes. Bébé, ensuite enfant. Khalas ismi'un, inshallah, j'ai une grosse voix. Même l'ahtaj ila mukabbir saft. Yasmi'na, inshallah. Tout à l'heure, il y avait de vous êtes, ça ne les intéressait pas. Hein. Ils ont la chance, c'était vous êtes. Moi, j'aurais été plus méchant avec elle. Al-Muhim, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, tu passes par des étapes. Bébé, enfant, adolescent, adulte, vieux, et tu meurs. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Tabaq yani marhala, dans le verset. Vous allez passer d'étape à une autre.
Et même Hatta, certains savants, ils ont comparé ces étapes à la lune. Elle commence bil-hilal, croissant de lune. Ensuite, elle devient une demi-lune. Ensuite, elle devient pleine. Et c'est quoi, par rapport au marahil de la vie de l'être humain, la pleine lune? Man ya'rif hadha 'indakum? À quel âge l'être humain il est complet comme la lune elle est pleine? 40, ahsant. 40 sana. الفاضل العقود المعدود بعدها مفرد 40 سنة 40 عفوا 40 سنة c'est la قمة, c'est le sommet de l'évolution humaine. C'est à 40 ans, ya akhi, que tu es parfait. D'ailleurs, certains ulama ils ont dit par rapport à cela, c'est dans le Coran, hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité barakallahu fik et qu'il atteigne 40 ans. Et donc par rapport à ça, les ulama ils ont dit que l'homme il est chab, il est jeune jusqu'à 40 ans. Donc tous les hadiths qui font référence à fadl, au privilège et à la vertu de la jeunesse, s'étendent jusqu'à 40 ans. L'internat Yahri, ne désespère pas lorsque tu as eu ton déclic un peu tard, de te dire ça est fata al-shabab. La mazil tashab. Tu es toujours jeune jusqu'à 40 ans. Comment on s'estafad hada? Fi surat Yusuf, fi qawlihi ta'ala, wa lamma balaga shuddahu wa stawa atainahu hukma wa ilman wa kadhalika najzil muhsinin. Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba wa qalat haytalak, ila an qal ربنا عز وجل وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود إيش فتاها تراود فتاها بعد أن قال الله تعالى عنه أنه بلغ أشده. إذن إذا وصلت إلى هذه المرحلة ما زلت فتى. سورة يوسف الله تعالى يبارل دو يوسف عليه السلام en disant Hatta idha balagha shuddahu, jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité, atainahu hukman wa ilman, on lui a donné du jugement et de la science, et c'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Ensuite, il raconte l'histoire où la femme de l'Aziz a tenté de le séduire. Ensuite, l'histoire jusqu'à ce que les femmes de la ville disent, et les femmes de la ville ont dit, la femme du Aziz a tenté de séduire son petit, son jeune, Fata. Alors qu'il a 40 ans. Chef, al-Muhim, à 40 ans, c'est le Kamal. الكمال في الإنسان طبعا ليس الكمال المطلق et c'est à cet âge là qu'Allah Ta'ala donne la prophétie aux gens qu'il a choisi pour cela. Les ulama ont dit qu'il y a deux prophètes qui ont la prophétie avant 40 ans. C'est qui? Trois. Isa alayhi salam, Yahya, Ahsant. Yahya, toi tu joues pas, t'as pas le droit de jouer. Yahya ابن زكريا وآتيناه الحكمة صبيا et nous lui avons donné la sagesse jeune enfant. Et واختلفوا في إبراهيم واختلفوا في إبراهيم. المهم 40 ans tu te maries, t'as des enfants, comme il dit الشافعي رحمه الله, تسير عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر. Tu vogues, tu marches dans ce bas monde et tu ne sais pas, lorsque la nuit te recouvre, vivras-tu jusqu'au matin. Ma tadri mata ya'tika aw ya'tika ajaluk. Tu ne sais pas quand est-ce que ta fin, hein, la date de péremption à consommer de préférence avant, cette date-là, ma tadri, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Tu vis. Ta'mal a'malan shatta. Inna 'amalakum la shatta mutafarriq. Vos actions, elles sont diverses. Mais Allah Ta'ala, il te facilite vers la voie du bien si tu fais le bien. Et il te facilite vers la voie du mal si tu fais du mal. Fa'amma man a'ta wa attaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Quant à celui qui donne et qui se protège, se préserve, taqwa, et qui confirme, qui croit en le husna, la bonne parole, la bonne promesse, pardon, le paradis, fasanuyassiruhu lil yusra, nous allons lui faciliter une voie, un accès vers la facilité.
Et pareil pour le reste, pour le, la contrepartie. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى Et quant à celui qui est avare et qui se sent à l'abri du besoin, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى Et qui traite de mensonge, الْحُسْنَى, la bonne parole, la bonne promesse, le paradis, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى Nous lui faciliterons une voie vers la difficulté. يعني va, à fond vers le mal. Et pourquoi tu as dit, عليه الصلاة والسلام, مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ كُتِبَ لَهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ Il n'y a pas un parmi vous sans que sa place au paradis ou en enfer lui soit déjà écrite. Alors, sahaba radiallahu anhu se dit, ya Rasulallah, afalal adda'il amal wa natakil, est-ce que nous allons alors délaisser l'action et s'en remettre à ce qui a été écrit? Qala la. Il a dit non. Ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala. Il a dit non, œuvrez, car vous serez tous facilités vers quoi? Vers ce pourquoi vous avez été créés. Alors, ya akhi, si tu vois que les portes du khair s'ouvrent à toi et qu'elles te sont facilitées, que tu viens à la mosquée, que tu pries à l'heure, que tu assistes à ces assises, que tu essaies d'apprendre ton din, eh ben, sois confiant qu'Allah Ta'ala va encore t'ouvrir ces portes-là jusqu'à ce que tu arrives au paradis. Et pareil pour le contraire. Alors les gens, ils vivent. Ils font leurs actions. Et ils font leurs choses. Jusqu'au jour où l'ange de la mort, il arrive. Jusqu'au jour où l'ange de la mort, il arrive. Et ceci, mes frères, comme vous le savez tous, on va tous y passer. On sait tous que personne avant nous n'a connu l'immortalité et personne après ne la connaîtra, et encore moins nous. Et que si quelqu'un avait dû la connaître, ça aurait été le prophète, alayhi salatu wassalam. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ Et nous n'avons attribué, du moins assigné à personne avant toi l'immortalité. Est-ce que si toi tu vas mourir, eux ils vont rester immortels? Là. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ Tout âme va goûter à la mort. Tout le monde. Tu vas mourir. Comme sont morts ceux qui t'ont précédé. Et comme mourront ceux qui te succéderont. Et avant de mourir, tu auras un aperçu de ce qui t'attend après. Lorsque tu verras les anges descendre pour accueillir ton âme. Si tu fais partie des gens du bien, alors tu verras des anges blancs, purs, propres, dont se dégage une odeur magnifique. Entre leurs mains, un kafen, un linceul du paradis. Et un hanout, un parfum du paradis. Ils s'asseront, ils seront autant nombreux que ta vision puisse contenir. Il viendra avec eux l'ange de la mort. Il te parlera paisiblement et doucement en te disant, ô âme apaisée, sors vers la miséricorde de ton Seigneur. فَتَخْرُجُ كَمَا تَخْرُجُ الْقَطْرَةُ مِنْ فَيِّ السِّقَى L'âme, elle sortira comme la goutte sort de la bouche, du bro, de la bouteille. Lorsque l'ange de la mort, il l'aura dans ses mains, naam, lorsqu'il meurt, lorsque l'âme, elle sort, صلى عليه كل ملك في السماء وكل ملك بين السماء والأرض. Lorsque l'âme, elle sort, tout ange dans le ciel prie sur lui. Et tous les anges, qui sont entre les cieux et la terre. Lorsque l'ange de la mort recueille l'âme, les anges qui sont avec lui ne lui laissent pas dans les mains tarfata ayn, le temps d'un clin d'œil. Ils la prennent, ils l'enveloppent dans ce linceul du paradis, le parfum de ce parfum du paradis, et s'élèvent avec dans le ciel. Et tous les anges qui sont dans ce ciel-là invoquent Allah Ta'ala pour faire partie des anges qui auront le privilège d'être une chaîne, d'être un maillon dans la chaîne de l'ascension de cette âme. Et lorsque l'âme montera, et que les anges iront la rencontrer, diront « Ma hadha ar-ruh at-tayyib » Quelle est cette âme pure? À qui appartenait-elle? Alors les anges qui la portent, ils diront « Hadha fulan ibn fulan » Ça c'est un tel fils de un tel. « Bi ahabbi wa ahsani asma'ihi alladhi kana yusamma bihi fi dunya » Avec le meilleur et le plus aimé des noms qu'on te donnait dans ce bas monde. L'âme arrive au premier ciel, et on demande la permission de passer, parce que dans chaque ciel, il y a une porte avec des gardiens. Yustaftah, on demandera la permission d'ouvrir. Alors ils diront, qui est-ce? Alors ils diront, c'est un tel, c'est un tel. Et ils ouvriront la porte. Et ainsi de suite jusqu'au dernier ciel. Jusqu'à arriver devant Allah Azza wa Jal, qui leur dira, Uktubu kitab abdi fi illiyin. Inscrivez l'âme, l'action de mon, inscrivez le registre d'action de mon serviteur fi illiyin, wa illiyun, wa illiyin, c'est le nom du plus haut degré du ciel.
فالله يجرى وأعيدها إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. Et faites-la revenir sur terre, car c'est de là que je les ai créés, et c'est de là que je les ferai retourner, et c'est de là que je les ferai sortir une autre fois. La mer revient. Et le fajr, le kafir, le mujrim, ce sera différent. Le mujrim, lorsqu'il est en train de mourir, des anges descendent du ciel. Ils ont le visage noir, ils ont les vêtements noirs, ils ont dans leurs mains al-musouh. Après, la traduction, elle est spéciale, le torchon, la serviette, c'est un vêtement, un tissu qui n'a pas, qu'on dénigre. Al-musouh min al-nar. Min al-nar. Was-samoum. Samoum, c'est l'air chaud. Ils rempliront l'espace que son regard occupe. Et l'ange de la mort, il viendra et il lui parlera d'un ton dur, un ton sec. Ô âme impure, sors vers la colère de ton Seigneur. Alors l'âme, tatafarraq fi al-jasad. Tatafarraq yani tahrab. Elle va se sauver dans les différents recoins du corps. Elle ira au bout des doigts, ou bien elle ira au bout des orteils, ou bien elle ira se cacher ailleurs. Et l'ange de la mort, il l'attrapera, et il la fera sortir, il l'extraira du corps, comme on extrait un clou rouillé d'une pelote de laine mouillée. كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول. Comme on arrache, ينتزع, le clou rouillé d'une pelote de laine mouillée. Même en français, ça. Essaye. Ya khiba, nasiha li walak. Quand tu vois des exemples comme ça dans le Coran ou dans la Sunna qui sont applicables, applique-les. Tu verras. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la laine, lorsqu'elle est mouillée, elle se rétrécit. Et le clou, lorsqu'il est rouillé, il a des sortes d'épines qui lui sortent à droite et à gauche. Et bien, quand tu plantes un clou, un grand truc, hein, une sorte de dans la laine et que tu l'arraches, ben, qu'est-ce qui se passe? Et bien, la laine, elle s'arrache. Il y a une riwaya du hadith qui dit quand, lorsque l'ange de la mort, il arrachera l'âme de ce corps-là, elle déchirera toutes les veines et tous les nerfs. Elle sortira, elle restera dans les mains de l'ange de la mort le temps d'un clin d'œil, et les autres anges viendront lui prendront des mains. Et lorsque cette âme sortira, tous les anges dans le ciel et tous les anges entre les cieux, entre le ciel et la terre, la maudiront. Et ils invoqueront Allah à ne pas être un maillon de la chaîne par laquelle passera cette âme lorsqu'elle s'élèvera dans le ciel. Alors les anges, qui sont avec l'ange de la mort, les assistants, ils prennent l'âme, ils l'enveloppent dans ce torchon, cette serviette de l'enfer, et ils s'élèvent avec dans le ciel. Et chaque fois qu'il passe près d'un groupe d'anges, ils se disent, mais qui est cette âme impure? Quelle est cette âme mauvaise? Alors ils diront, c'est un tel, fils de un tel, avec le pire des noms qu'on lui donnait dans ce bas-monde. Et ils ne cesseront de s'élever comme ça jusqu'au premier ciel, et jusqu'à ce qu'ils arrivent aux portes, et ils demanderont la permission pour pouvoir passer au second, et on leur donnera pas. Et on leur donnera pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité le verset lorsqu'il a dit ce passage du hadith. Inna alladhina kazzabu bi ayatina wa stakbaru anha la tufattahu lahum abwabu s-sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Wa kadhalika najzi al-mujrimin. Ceux qui ont démenti, ceux qui ont traité de mensonges nos signes, dans nos versets, et s'en sont enorgueillis, on ne leur ouvrira pas les portes du ciel. Et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau entrera dans le chat de l'aiguille. Le chat avec un S, pas avec un T. Le chat a le trou. Et c'est ainsi que nous rétribuons les criminels. Faut faire des précisions de mes frères. Pourquoi parle de chat, mais... Al-Muhim. Allah Ta'ala, il dira, inscrivez le registre de mon serviteur, fi Sijjin. Sijjin, ça veut dire la prison. Mais c'est le nom qu'on donne au plus bas degré de la terre. Il y a sept cieux, il y a sept terres. Et comme les sept cieux, ils sont superposés, eh bien les sept terres, elles le sont aussi. Hein? Alladhi ja'ala sab'a samawatin tibaqa. Celui qui a fait sept cieux en étage, l'un au-dessus de l'autre. Et la terre, les terres, c'est comme les cieux. Wa huwa alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi ish mithlahun fil 'adadi wal hay'a. La fi as-sa'a.
il a, c'est lui qui a créé sept cieux et en a fait autant avec les terres. C'est-à-dire en nombre et en caractéristiques. Il y en a sept et elles sont aussi les unes en dessous des autres. Mais pas en largeur. Pas en surface. Wallah, wal'ilmu indallah. Al-Muhim, le plus bas degré de la terre, de la dernière des terres, eh ben les âges, leurs âmes, leurs registres seront inscrits là-bas. Ensuite, renvoyés là sur terre. Car c'est de là que je l'ai créé. Et c'est de là qu'ils doivent, c'est là qu'ils doivent revenir. Et c'est de là qu'ils sortiront encore une fois. Alors son âme, elle sera jetée. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وفي رواية فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق يعني بعيد. Et celui qui associe à Allah quelque chose ou quelqu'un, فكأنما خر من السماء, c'est comme s'il chutait du ciel. فتخطفه الطير, les oiseaux, elles le piquent. Les oiseaux, ils le piquent, ils passent ici et ils lui mettent un coup de bec. Aoutahoui bihirrih, ou bien le vent l'envoie, souffle dessus, fi makadin sahih, yani vers un endroit lointain. Cette âme-là, elle n'a pas de karama. Cette âme-là, elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de sacralité. À un point où les oiseaux, en passant, ils jouent avec. Et à un point où le vent, en soufflant, il la balade. Elle revient dans sa tombe. Et la tombe, mes frères, c'est la première des demeures de l'au-delà. Comme il disait Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innal qabra awwal manzil min manazil al-akhirah, fa in naja minhu sahibuh kana ma ba'dahu aysar wa in 'udhiba fihi sahibuh kana ma ba'dahu ashad. La tombe est la première demeure de l'au-delà. Quand je disais que la mort c'était le départ et pas la fin. Le kafir qui croit qui ne croit pas à la vie après la mort, il croit que la mort c'est la fin alors que ce n'est que le début. Le début de l'éternité. Et ouais, la tombe est la première des demeures de l'au-delà. Si son occupant en échappe, non, ce qui viendra par la suite sera plus simple. Alors que s'il y est châtié, ce qui viendra par la suite en sera plus dur. Tu restes dans la tombe. Il y a des anges qui viennent t'interroger. Si tu réponds correctement aux questions, tu es honoré. Et gracié. Si tu réponds malement aux questions, tu seras châtié et dénigré. Et tu resteras ainsi, masha'Allahu antabqa, autant qu'Allah Ta'ala le voudra. Et sache que certains savants ont ramené des hadiths dans lesquels il y a des paroles à dire sur leur authenticité, mais inshallah ils sont authentiques, du moins acceptables, que le temps que le croyant passera dans sa tombe sera équivalent à sa foi et ses bonnes actions. Plus tu avais la foi haute et des bonnes actions nombreuses, et plus le temps te paraîtra moins long. Il y a même certaines riwayats qui disent que le temps que le croyant passera dans sa tombe jusqu'au jour du jugement sera équivalent au temps qu'il y a entre l'Asr et le Maghreb. D'autres riwayats qui disent entre la rak'atayn. Donc, akthir min al-amal al-salih hatta yaqil intidaruka fi hadha al-makan. Multiplie les bonnes actions afin que ton attente dans cet endroit sera minime. D'ailleurs, dans le hadith de l'Adab al-Qabr, le hadith Bara ibn al-Azib, عند Ahmad al-Hakim ibn Maja wa ghayrihim, le mu'min, quand il voit tous les cadeaux qu'Allah lui offre dans sa tombe, il dit Ya Rabbi aqim al-sa'ah, Rabbi aqim al-sa'ah, hatta arji'a ila ahli wa mali. Il dit Ya Allah, fais que l'heure dernière se dresse tout de suite, afin que je rejoigne ma famille et je retrouve mes biens. Et on lui dira Oskun, attends, tranquille. Idan, tu restes dans la tombe, cette demeure que tu vas occuper. Comment est-ce que tu l'as préparée? Regarde les gens qui veulent construire une maison. Comment ils la préparent? Ils vont voir un architecte. Je veux la cuisine là, je veux la salle de bain ici, je veux la salle ici, je veux un balcon là au premier étage, je veux deux chambres et je veux ci et je veux ça. Alors le architecte, tu lui fais un plan. Il regarde le plan de haut en bas, même si des fois c'est pas lire, mais il regarde quand même. Il regarde comme ça, il regarde les mesures, il dit non, ton plan ne me convient pas. Il va aller voir un autre architecte, fais-moi une comparaison avec ton plan. Bref,
quand la maison sera finie, ou du moins elle sera en construction, il va venir tous les jours. Ah, il manque la peinture là. Ah, ce ciment n'est pas bon. Ah, cette brique, elle n'est pas assez forte. Contrôleur. La maison est finie, les meubles, le tapis, la couleur du papier peint, elle mouhime tout. Et si jamais son fils il a le malheur d'écrire au stylo sur le mur, Mshamsk. Al-Muhim, regarde comment on prépare cette maison qu'on va occuper combien de temps? 10, 20, 30, ya Allah, 50 ans? Ba'dadali, qu'est-ce qui se passe? Tmout, ou t'khalliha li ahlik. Kima n'goulou fil bled, t'bni ou t'alli, tmout ou t'khalli. Tu construis et tu élèves, tu laisses et tu meurs et tu les laisses. Comme il disait Abu al-Atahiya, يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. يتلذذون يعني ils vont avoir du plaisir. بما جمعت لهم pour ce que tu as ramassé pour eux après que tu sois mort. ولا يجدون فقدك, ils oublieront ta perte. Ils oublieront ta perte. Regarde les gens comment ils se disputent sur l'héritage. Les quelques premiers jours, ça pleure. Oh msha, le walid msha, le walid mshat, l'am msha, ila akhirih. Après, bon, trêve de larmes. C'est comme un pas. C'est comme ça. Lorsque l'héritage arrive, on oublie tout le monde. Ton père, ta mère, ton oncle, ton frère, ta soeur, qui tu veux. Tu sais qu'il y a un profil, c'était cool chez. T'as tout oublié. Al-Muhim, tu construis ta maison ici-bas, tu fais attention. Eh ben, ta tombe, t'attends, elle est déjà prête. Elle est déjà prête. Comme certains salafs, ils faisaient, pour se rappeler toujours qu'ils vont mourir, ils achetaient leur kafan eux-mêmes. Ils achetaient leur linceul, ce drap blanc dans lequel ils seront enveloppés, et ils en tapissaient le mur, ils l'accrochaient contre le mur. De chez eux, de leur salle principale. Comme ça, ils ont toujours sur l'œil. Oh là là. Qui c'est qui fait ça chez nous? Rabi ibn Khuzaym, il a été plus loin, rahimahullah. Il a creusé une tombe dans sa maison. Un trou. Wa kullama wajada fi qalbihi qasawa bata fi. Et chaque fois qu'il trouvait dans son cœur une dureté, eh ben il passait la nuit dans cette tombe. Est-ce que vous pensez qu'il dormait? Ma kanch na'as. Kana yukarrir qawluhu ta'ala rabbi irji'uni la'anni a'malu salihan fi ma tarak. Marra marratayn, thalath marrat, a'd mi'at marrat. Il répétait sans se lasser le même verset. Ya Allah, fais-moi revenir afin que je fasse du bien dans ce que j'ai laissé derrière moi. Ça, c'est ce que les gens ils diront dans leur tombe. Et lui, il passait sa nuit à dire ça vivant. Et le matin, lorsque c'était l'heure de l'Fajr, il sortait du trou, il allait à la mosquée, et il se parlait à lui-même. Il disait, Ya Rabi'a, laqad raja'at, fa'amal. Ya Rabi'a, laqad raja'at, fa'amal. Ya Rabi'a, il se parlait à lui-même. Ça y est, tu es revenu. Comme tu demandais à Allah de te faire revenir. Tu es revenu. Alors agis. Hop. Retrousse tes manches et fais le khayr. La tombe. La dar lilmar ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha fa in banaha bi khayr taba maskanuhu wa in banaha bi shar khaba baniha. Il n'y a pas de maison pour la personne dans l'au-delà que celle qu'il construisait avant de mourir. S'il l'a construite avec du bien, quel bon constructeur. Et s'il a construit avec du mal, que périsse son bâtisseur. Al-Qabr. Ya ghafilan 'anil 'amal wa gharrahu tulul amal. Al-maut ya'ti baghtatan wal qabr sunduqul 'amal. Ô toi qui es insouciant de bonnes actions et qui as été trompé par le long espoir, la mort vient d'un coup sans prévenir et la tombe et la boîte dans laquelle tu retrouveras tes actions. Al-Qabr. Al-Qabr. Tu vas y rester. Muna'aman ou mu'azzaba. Soit dans le bien, dans le délice, soit dans le châtiment. Ila an yaji'a hadha al-yawm ar-rahib ou hadha al-yawm ar-rahib alladhi ya'muru Allah tabaraka wa ta'ala fihi Israfil an yanfukha fis-sur. Tu vas rester dans ta tombe jusqu'à ce jour où Allah Ta'ala il va ordonner à Israfil de souffler dans la trompe. Nafratayn ou thalas,
اختلاف عند أهل العلم والراجح والله أعلم بالصواب أنها نفختان. Deux fois ou trois fois, disent avancer les savants, Allahu a'lam, mais le plus probable c'est que ce n'est que deux fois. Et l'heure ne se dressera que sur les pires des gens. Il n'y aura plus de croyants, plus de Qur'an, plus de salat, plus de siyam, plus d'islam, plus rien. Après que les croyants suivront Isa ibn Maryam alayhi salam, lorsque Ya'juj et Ma'juj sortiront dévaster la terre, et qu'Allah les fera périr, quelque temps après Allah Ta'ala il enverra un vent frais qui ne passera pas près d'un croyant sans que son âme ne soit retirée. Et il ne restera sur terre que les pires des créatures. Et l'heure se dressera sur eux. Lorsque cette heure se dressera, ils seront tous foudroyés. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Et on soufflera dans la trompe. فَصَعِقَ. Il sera foudroyé. Tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre, sauf ceux qu'Allah Ta'ala voudra épargner. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et ensuite on soufflera une seconde fois et voici qu'ils sont debout à regarder. Ça y est, c'est le jour du jugement. C'est le jour dont on a entendu parler. C'est le jour dans lequel on a tant cru. C'est le jour dans lequel Allah Azza wa Jal, il va séparer les gens en deux groupes. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ يَوْمَيْذِي يَتَفَرَّقُونَ يَوْمَيْذِي يَصَّدَّعُونَ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ يَوْمُ الْفُرْقَانِ. Le jour de la séparation. يَوْمُ التَّغَابُنِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْمُ الصَّاخَّةِ يَوْمُ الطَّامَّةِ يَوْمُ الْوَاقِعَةِ يَوْمُ الْحَاقَّةِ يَوْمُ الْقَارِعَةِ. Tous ces différents noms par lesquels Allah Ta'ala l'a décrit le jour du jugement, il est arrivé. Lorsque Allah il va ordonner à Israfil de souffler dans la trompe, toutes les âmes rejoindront leur corps. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Et lorsque les corps, les âmes seront mariés, entre guillemets, rejoindront leur corps. Il n'y a pas une âme qui se trompera. Al-Qurtubi dans Tazkira, il dit que les âmes, elles sont dans la trompe de Israfil. هذا قول. Il y en a qui disent que les âmes des croyants sont dans Illiyin à ce moment-là, et que les âmes des koufars sont dans Sidjin. D'autres qui disent qu'elles sont toutes réunies dans la trompe de Israfil. Et que lorsqu'il soufflera, eh ben, toutes ces âmes s'envoleront dans le ciel. Elles s'envoleront dans le ciel, et chaque âme rejoindra son corps. عَلَى اخْتِلَافِ عَدَدِهَا. Imagine le nombre immense d'âmes humaines. Combien d'êtres humains ont existé depuis Adam jusqu'au dernier? Combien? Aujourd'hui seulement on est 6-7 milliards. Compte. Allahu a'lam bil hada al-adad al-ha'il. Il n'y a qu'Allah Ta'ala qui sait combien il y en a. Et malgré ça, aucune âme ne ratera son propriétaire, son corps. Et Allah Ta'ala, il recréera le corps humain. كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ. Comme nous avons débuter la première création, nous la recommençons. Et de quoi il sera reformé l'être humain? Min ajabi zanab. Du coccyx, le dernier vertèbre de la colonne vertébrale. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم أو كل بني آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. Tout le fils d'Adam va dépérir sauf عجب الذنب. Donc la définition en arabe, c'est le dernier vertèbre de la colonne vertébrale. En français, ils disent le coccyx. Madri hal hunak tanasuq bayna al-ta'rifayn. Al-muhim, le coccyx. C'est de là qu'il a été créé, c'est de là qu'il sera reformé. Donc de ce coccyx, le corps il va être reformé. Son enveloppe charnelle et ses os. Et l'âme, elle va rejoindre. Et le coccyx fait partie des 8 choses qui ne périssent jamais. Le coccyx fait partie des 8 choses qui ne périssent jamais après leur création. Ces 8 choses sont dans l'ordre. Al-Arsh, le trône d'Allah Azza wa Jal. Al-Kursi. Al-Kursi, ça fait des mabogies pas possibles dans sa traduction. Maintenant, les gens, ils nous embêtent même sur les traductions. Qui nous ramènent des termes. Al-Muhim al-Kursi, qala ibn Abbas, mawdi'u al-qadamayn. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit, c'est l'endroit où Allah Ta'ala pose ses pieds. Parce que quand tu dis repose-pied, dis non, t'as pas le droit de dire repose-pied aussi. Oh là là. Faut que tu t'apprennes l'arabe, faut que tu apprennes le français aussi.
Al-Muhim, le piédestal, le repose-pied, l'endroit où Allah pose ses pieds. Wallahu alamu bis-sawab. Al-Arsh al-Kursi, Al-Lawh al-Mahfouz, wal-Qalam. La table prescrite où Allah il a écrit la maqadir kulli shay, la destinée de toutes choses, et Al-Qalam, la plume, avec Allah, avec laquelle cette prédestinée a été écrite. Awalu ma khalaq Allah ish, Al-Qalam. Donc, Al-Arsh, Al-Kursi, Al-Lawh, Al-Qalam, Al-Jannah, Al-Nar, le paradis et l'enfer. مخلوقتان مؤبدتان لا يفنيان أو لا تفنيان. Deux créatures éternelles qui ne périssent jamais depuis qu'elles sont créées. Ça fait six. Qui connaît les deux derniers? J'en ai déjà. Le coccyx, y'a Allah, et le dernier c'est? Ça a rapport avec l'être humain. Comment? Ar-Ruh. Ar-Ruh. L'âme. Ces huit choses ne périssent jamais. Idem, ils sortent de la terre. قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة غراتا عراتا غرلا. Les gens seront ressuscités le jour du jugement où je me rassemblerai sans chaussures, sans qu'ils aient quelque chose qui protège leurs pieds, sans vêtements, عراتا nu, غرلا جمع أغرل. Et c'est un des seuls mots en arabe où le ra il vient avant le lem. Il y en a trois, mais je ne sais plus si vous avez deux autres, j'ai oublié. C'est la faïda qui sert à rien. Al-Muhim, c'est celui qui est incirconcis. Celui qui est incirconcis. Allez, Allah, il va te recréer comme tu étais. Avec le prépuce, comme on l'appelle en français. Hein, cette peau qui recouvre le gland. Du organe génital de l'homme. Ghurla, Aïcha radiallahu anha wa ardaha fi hayaiha wa naqaiha wa taqwaha radiallahu anha wa ardaha wa la'ana man la'anaha. Taqul, ya Rasulallah, al-rijal wa al-nisa, ba'duhum yanzuru ila ba'd. Aïcha radiallahu anha, avec sa pureté, son innocence et sa pudeur, et sa al-am a dit, ya Rasulallah, les hommes et les femmes, ils se regarderont les uns les autres. On a dit, ils seront nus. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. L'affaire de ce jour-là est trop importante pour qu'ils aient l'idée de se regarder les uns les autres. Ensuite, c'est le verset où Allah Ta'ala dit, لِكُلِّ مِرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَ إِذٍ شَأْنُنْ يُغْنِيهِ. Pour chacun d'entre eux, ce jour-là, une affaire qui l'importera. Ce qui ne pourra pas dire du reste. Tu oublieras tout. Et les gens, mes frères, ils sortiront de la tombe, et les koufars ils diront, oh non, les prophètes avaient raison. Les prophètes ont dit la vérité. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنَ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Et nous soufflerons dans la trompe, et voici qu'ils pullulent de leur tombe. Ils diront, malheur à nous, qui nous a réveillés de notre lit où on dormait. Voici la promesse du tout miséricordieux, et les prophètes ont dit la vérité. Ya'tarifun wa yuqirrun wa anna lahum dhalik. Ya'tarifun wa yuqirrun hina la yanfa'u al-iqrar wa al-i'tiraf. Ils reconnaîtront et accepteront enfin qu'Allah, sa promesse était réelle et que les prophètes ont dit la vérité. Mais à ce moment-là, ça ne servira plus à rien. Et chacun sera ressuscité comme il est mort. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه. Celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité ainsi. Tu vas voir ce jour-là, des gens qui auront dans la main un verre de vin, ils seront sous. Tu verras ce jour-là des gens qui auront dans la main une lame et ils se planteront le ventre. Tu verras ce jour-là des gens qui sortent de leur tombe et qui disent « Labbaïk Allahumma labbaïk, labbaïk la sharika laka labbaïk talbiyatul muhrim fi umrati ou hajji. » Tu verras plein de gens différents. Chacun dans un azab propre à l'état dans lequel il est mort. « Wal jaza kama qarrara wa zakarana akhuna bidhalik min jinsil amal. »
et la rétribution est dans la même nature que l'action. Regarde. Le mutakabbir, l'orgueilleux, celui qui se croit au-dessus des gens. Wal mutakabbiru kama jaa fil hadith. La yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin aw mithqalu khardalah. Ay na'am mithqalu dharra min kibr. Ne rentre pas au paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un grain de maïs d'orgueil. فقال الصحابة رضي الله عنهم إن الرجل منا يحب أن تكون لعنه نعله حسنة وثوبه حسن أو كما قالوا فقال ليس هذا الكبر إن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر غمط الناس وكراهية الحق. Les Sahaba qui ont entendu ça ont dit non, il y a Rasulullah, nous on aime bien avoir des beaux vêtements et des belles chaussures. Alors il leur a dit, c'est pas ça, Allah il est beau et il aime la beauté, mais l'orgueil c'est dénigrer les gens. Ramtounes. Ah, mais t'as mis de soi, je sais pas, je m'arrive. Je suis qui moi? C'est d'où je viens moi? C'est qui mon père moi? Comme un amir, il est rentré dans une qaria. Et les gens, quand ils l'ont vu, ils se sont tous levés. Et il y avait le Hassan al-Basri, rahimahullah, dans cette qaria, dans cette ville. Et les restas. Il a été le voir, il lui dit, là, t'as pour Mali. Ah, là, t'as pour Mali. Tu te lèves pas pour moi? Ah, il dit non. Alors il lui fait, tu sais pas, je suis qui? Je sais, je sais, je suis qui? Kunta nutfatan madira. وتحمل في بطنك القذرة وسوف تكون جفة نذرة. فقال الرجل بعد أن طأطأ رأسه والله لقد عرفتني حق المعرفة. Il a dit, si je te connais, tu étais une goutte de sperme dégueulasse, excusez-moi le terme, mais en français il n'y a pas beaucoup de mots pour traduire, et tu portes dans ton ventre les immondicités, et tu vas devenir un cadavre puant. En gros, pourquoi tu flambes? Alors le Amir, le gouverneur, et ben c'est peut-être comme ça, il dit, Wallahi, tu m'as vraiment connu. Alors, le mutakabbir, il rejette les gens, comme ça là, et il quoi? Il déteste la vérité. Tu vas voir, tu dis, Akhi, anta ala batil, ou anta ala khata, ou anta kada, ou anta ala khilafi sawab. Il dit, je connais ça, batidar ma'ayma, t'arraf, ça. أنا عندي سنوات في العلم، سنوات في المسجد، سنوات في الصلاة، سنوات في كذا. طيب، وهل تجعلك هذه السنوات معصومة؟ العصمة لمن عصمه الله، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أتزعم أنك معصوم؟ فإن كان الأمر كذلك فقد كفر. أمر أعظم من ذلك. Prétends-tu être infaillible؟ On est tous des pécheurs. On se trompe tous. L'infaillibilité, c'est Allah Ta'ala qui va donner l'activité parmi ses serviteurs. Les messagers seulement. Si après ça, il continue, tu dis, c'est encore pire que le péché pour lequel je suis venu te voir. C'est de la mécréance, wa l'ayadu billah. Croire qu'on est parfait, qu'on ne fait pas d'erreur. Al-Muhim, ramtun nas wa karahiyat al-haq. Et bien le mutakabbir, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yuhsharu yawm al-qiyamati ala surati dharra, wa dharra al-namla. L'orgueilleux, le jour du jugement, sera ressuscité sous la forme d'une fourmi. Il sera recouvert par l'humiliation de toutes parts. Ah, dunya, ici-bas, tu te croyais au-dessus des gens, et bien, yawm al-qiyamah, tu seras tout petit. Au fil hadith, al-akhar, yuhsharu al-mujrimu yawma idhin, ou yawm al-qiyamati, wa lawnuhu azraq. Le kafir, il sera ressuscité sur le jugement, il aura la couleur, il sera bleu. Min mada? Min shiddati khawf. Avec l'immense peur qu'il aura en lui. Wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa. Zurqa, yani azraq. Bleu. Al-Muhim, il y a beaucoup de hadiths qui décrivent les différentes situations dans lesquelles les gens seront ressuscités. Al-mu'minuna wal-kafirun. Al-salihuna wal-talihuna. Allah Azza wa Jal, il va faire descendre le soleil jusqu'à ce qu'il soit au-dessus de la tête des serviteurs, qadra mil. Al mil, ikhtalafu fi ta'yin. Minhum man qala ma yuktahalu bihi al-'ayn, wa minhum man qala al-masafatu al-ma'rufa. Wa ayyan kan, fa satadnu ash-shamsu fawqa ru'us al-'ibad qadran qalilan fa ya'rafun. وكل يعرق بحسب عمله فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه ومنهم من يصل العرق إلى
ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يصل العرق إلى كتفيه، ومنهم من يصل العرق أو يصل العرق نعم إلى شحمة أذنيه، ومنهم من يغرق في عرقه. Le soleil sera descendu jusqu'à ce qu'il atteigne, jusqu'à ce qu'il soit proche de la tête des gens de la distance d'un mille. Le mille en arabe, il a deux sens. Soit il fait référence à la distance connue qui est à peu près 1,8 km, ou soit c'est comme ça qu'on appelle le bateau avec lequel on se met du hul dans les cieux. Et quelle que soit l'une des définitions, il sera très proche. Et il sera tellement proche que les gens y sueront. Ne te dis pas, comment ça? On m'a dit en sciences physiques quand j'étais au collège que si le soleil avance d'un millimètre, les gens y crament. Non. مقاييس يوم القيامة مقاييس يوم القيامة تختلف تماما عن مقاييس ما نحن عليه في هذه الدنيا. Les règles physiques, comme on les appelle, sont complètement différentes ici-bas, le jour du jugement, de celles qu'on a ici-bas. Les gens y sueront à cause du soleil. Et chacun aura de la sueur en fonction des péchés qu'il a commis ici-bas. Il y en a dont la sueur atteindra les chevilles, d'autres dont elle atteindra les genoux, d'autres dont elle atteindra la taille, les hanches, d'autres dont elle atteindra les épaules, d'autres dont elle atteindra le lobe des oreilles, et d'autres qui se noieront dans leur sueur. Et là tu vas te dire, mais attends, comment nous tous on peut être dans le même endroit, et chacun est dans un degré différent? Pose pas de questions, Allah il a dit, ça va se faire, ikhlas. قُلْ آمَنَّا بِهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. الراسخ في العلم ما يتفكر أمر بأن يؤمن فآمن وما أمر أن يفكر فلم يفكر. خلي عليك الكيفيات، هذا لست مكلفا بها، إنما أنت مكلف بأن تؤمن بما أخبرك الله تبارك وتعالى. Ne te dis pas, mais attends, on est tous dans le même endroit, il y a de la sueur ici, de la sueur ici, normalement, on veut tous être au même niveau. Là, oublie les comment et les pourquoi, oublie. Allah t'a informé, tu dois y croire. Allah t'a ordonné d'y croire, alors tu y crois. Ar-rasikhuna fil ilm, ceux qui sont ancrés profondément dans la science, ils disent, nous croyons en cela, tout provient de notre Seigneur. Allah t'a ordonné d'y croire, il t'a pas ordonné de réfléchir. C'est pas pour toi ça, laisse. Al-Mouhim, les gens ils seront là-dedans, dans cette, chacun dans son péché propre à celui qui les faisait dans ce bas monde, et dans la sueur. On a dit le temps pour le croyant dans la tombe, il est plus ou moins court en fonction des bonnes actions qu'il a commis, qu'il a effectuées. Et bien la sueur, elle sera plus ou moins à un degré plus supérieur ou inférieur en fonction des mauvaises actions qu'il a commises. Tu fais pas de sueur, tu fais pas de péché. Et mieux que cela, tu veux pas être sous le soleil, eh bien obéis à ton Seigneur et fais les actions qui vont te mettre sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Comme a fait hadith Abi Hurayra alladhi kharrajahu ash-shaykhan. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا يظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما نفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وفي الحديث الآخر: الرجل في ظل صدقته يوم القيامة. وحديث كثيرة تدل على ذلك. Tu vas être sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Alors écoute ce hadith, le prophète dit alayhi salatu wa salam, 7 catégories de personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Un gouverneur juste, et un jeune, les jeunes qui ont grandi dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, et un homme qui a le cœur accroché aux mosquées, et deux hommes qui se sont aimés pour Allah, ils se sont réunis pour lui et se sont séparés pour lui. Wa ushhidu Allah tabaraka wa ta'ala anni ma ji'tukum illa mahabbatan fikum aw illa mahabbatan lakum wa arju Allah dhalika wa arju Allah azza wa jalla bi tilka al mahabba an yajma'ana ajma'in fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Et je prends Allah à témoin que je ne suis venu vous voir aujourd'hui que pour amour envers vous. On s'est réunis pour son amour et on se quittera pour son amour, et inshallah tabaraka wa ta'ala le jour du jugement on sera tous réunis sous son ombre. Deux hommes qui se sont aimés pour Allah, se sont réunis pour lui, se sont séparés pour lui. Et un homme dont une femme de grande prestance et de très grande beauté l'a appelé à forniquer avec elle, il lui a dit non, je crains Allah. Et un homme qui a fait une aumône en la cachant, à un point où sa main gauche a dit non, ce que sa main droite l'a donné. Et un homme qui était tout seul, vous vous souvenez tout à l'heure, Zakar Allah Khalian, il était tout seul, personne avec lui, pas un œil sur lui, pas une oreille sur lui, rien. Wahdahu fi baytihi aw fi makanin khalin. Tout seul. Laysa ma'ahu ila ar-rabb jalla wa ala. Et qu'est-ce qui s'est passé?
ففاضت عيناه. Ses yeux sont immergés. Comment on dit ? Inondés. Se sont inondés de larmes. Ya habata law kunna kadhalik. Et un autre hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant sera sous l'ombre de son aumône le jour du jugement. Et les hadiths qui font référence aux gens qui seront préservés de la chaleur du soleil ce jour-là, ils sont nombreux. Et savez-vous combien de temps les gens resteront dans ce jour-là ? 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الله أكبر. 50,000 ans ce jour il durera. Pas un jour, ni deux, ni trois, pas 24 heures, ni 30, ni 48, ni 72, ni plus. 50,000 ans. Et les gens ils souffrent comme ça. Et à un moment ils craquent. Ils n'en peuvent plus, ils supportent plus. Et ils se réunissent. Ils disent il faut qu'on trouve un moyen pour que ça s'arrête. Qu'on aille en enfer ou au paradis, mais que ça s'arrête. Alors, ils se mettront d'accord pour aller voir Adam, alayhi salam. Ils diront, ya Adam, خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اذهب إلى ربك فاشفع لنا عنده. يا آدم, tu es le père des êtres humains. Et Allah, il t'a créé de ses mains. Et il a insufflé en toi de son esprit. Et il a fait prosterner devant toi les anges. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Ne vois-tu pas dans quel souci nous sommes? Va vers Allah et intercède auprès de lui en notre faveur afin qu'on commence le jugement. Adam il va dire Nafsi. Moi d'abord. Wa hal akhrajakum min al-jannati illa khati'atu abikum. Et qu'est-ce qui vous a fait sortir du paradis si ce n'est la faute de votre père? Izhabu ila ghayri, izhabu ila Nuh. Allez voir quelqu'un d'autre, allez voir Nuh. Ils iront voir Nuh. Et ils lui diront des mahasin et des mahamid. Waqad sammaka Allahu abdan shakura. Allah t'a cité comme quoi tu étais un serviteur reconnaissant. Va intercéder en notre faveur. Et leur dira non. Allez voir quelqu'un d'autre, allez voir Ibrahim. Ils iront voir Ibrahim. Anta khalilullah ila akhirihi. Tu es l'ami. Ou bien plutôt le bien-aimé d'Allah Azza wa Jal. Va demander à Allah qui nous juge. Il dira non. Moi d'abord, allez voir quelqu'un d'autre, allez voir Moussa. Ils iront voir Moussa, leur dira non, allez voir quelqu'un d'autre, allez voir Isa. Ils iront voir Isa, allez, ils leur diront, oh là là, non, pas moi, moi d'abord, chacun pour soi, comme on dit ici. Chacun pour soi. Le jour où toi, tu t'enfuiras de ta femme, celle que tu aimes aujourd'hui, avec laquelle tu vis, et pour laquelle tu te battrais. Tes enfants qui sont la prunelle de tes yeux, tu les renieras. Tes parents, qui ont tant fait pour toi et t'ont tant donné, tu les oublieras. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. الآيات. Ce jour-là, l'homme fuira de son frère, de sa mère et de son père, de sa femme et de ses enfants. Plus personne. Nafsi. Même les prophètes diront Nafsi. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète Mohammed ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib al-Hashimi al-Qurashi alayhi salatu wassalam. Ils diront Ya Rasulallah, Ya Mohammed, tu es le dernier des messagers. Tu ne vois pas dans quel état nous sommes. Fais quelque chose pour nous. Au revoir Allah. Et le prophète dira Ummati. Ma communauté. Et là, il ira se prosterner devant le trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et il lui fera des éloges et des louanges que personne avant lui, ici-bas, n'a dit. Voilà, mes frères, des fois, lisez dans les livres, ne serait-ce que la muqaddima, l'introduction, la préface, et regarde comment les savants, ils rivalisent dans le choix des mots dans les sana ou le mahamid. Dans les louanges et les éloges. C'est magnifique. Wallah, c'est azim. Un exemple, je vous conseille ceux qui lisent l'arabe, de livre, la khatima du livre, Uddatul Sabirin, d'Ibn al-Qayyim. Wallah, c'est magnifique. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, à la fin du livre, il y a un chapitre qui s'appelle la khatima, c'est-à-dire la fin du livre, dans lequel il ne fait que des éloges et des louanges. C'est magnifique. Je ne peux pas vous le dire, il faut que vous le lisiez vous-même. Et ceux qui ne comprennent pas l'arabe, ils apprennent l'arabe. Vous ne traduirez pas. Donc, pour lorsqu'on commence.
وليس هذا كتمانا للعلم وإنما هذا تشجيع على أن تتعلموا لغة دينكم. Ce n'est pas une simulation de la science, mais c'est un encouragement pour que vous appreniez la langue de votre religion. Al-Mourim, moi je disais ça, Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est trop magnifique. Et j'ai pensé, ouais, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jour du jugement, il dira des mahamid, des louanges et des éloges meilleurs que celle-ci. Agis. Al-Mourim, il restera ainsi un certain temps. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla lui dise, Ya Muhammad, lève ta tête et demande, on te donnera et intercède, on acceptera ton intercession. Et le prophète dira, il lèvera sa tête en disant, Ya Rabbi, ummati, ummati. Et dans ce bas monde, Allah Ta'ala, il a envoyé Jibril le prophète, après qu'il ait vu pleurer, jusqu'à ce que sa barbe se mouille, jusqu'à ce que l'endroit où il se prosterne se mouille, jusqu'à ce que l'endroit où il prie, il soit trempé de ses larmes. Et il a dit à Jibril, va voir Muhammad et demande-lui pourquoi il pleure. Alors, Jibril, il va voir le prophète et lui dit, pourquoi pleures-tu? Allah te fasse le salam et te demande pourquoi tu pleures. Je pleure, ma communauté. Alors Allah, il ordonne à Jibril de dire au prophète, alayhi salam, inna sanurdhika fi ummatika wa la nasu'uk. Nous allons te satisfaire dans ta communauté et nous ne te ferons pas de peine. Ihmad rabbaka azza wa jalla ala anja'alaka muslima. اشكر ربك عز وجل شكرا لا نهاية له وضع جبينتك على هذه الأرض شكرا وحمدا لربك سبحانه على أن جعلك مسلما. Remercie ton Seigneur et pose ton front par terre en prosternation pour montrer la reconnaissance que tu as envers lui car il a fait toi musulman. Alors Allah lui dira, nous allons te satisfaire dans ta communauté. Allah, il a 100 miséricordes. Une, il l'a fait descendre ici-bas pour toutes les créatures, animaux et humains, koufars et croyants. Et il a gardé 99 miséricordes que pour les croyants. Que pour les croyants. Alors, Allah Azza wa Jal, il va venir, porté par ses anges. Wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzzila al-mala'ikatu tanzila. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم تشقق السماء. Le jour où le ciel sera déchiré, sera fondu. ونزل الملائكة تنزيلا. Et les anges descendront les uns après les autres. Les anges du premier ciel descendront et entoureront toutes les créatures. Les anges du second ciel descendront et entoureront les anges du premier ciel. Les anges du troisième ciel, quatrième, cinquième, jusqu'au septième, jusqu'aux anges qui portent le trône. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Et ton Seigneur viendra et les anges rang par rang. Et Allah Ta'ala, il vient. Et il leur dit, يَا بَنِي آدَمْ. Lorsqu'Allah Ta'ala, il viendra, plus un seul bruit. Plus un seul son, le silence complet. La yatakallamoun. La yatakallamoun, ils ne parleront pas. Fala tasma'u illa hamsa. Tu n'entendras qu'un murmure. Rien, tu n'entendras rien. Et Allah Ta'ala, il parlera. Et dans le hadith, ou bien dans l'Athar, il dit, Ya Bani Adam, لقد انصتت اليكم في هذه الدنيا كثيرا فانصتوا اليوم الي. Ô fils d'Adam, je vous ai certes beaucoup et entendu ici-bas, alors maintenant écoutez-moi. Et là il restera dans son sourate Yassine, wallah azza wa jalla, alam a'had ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun hadhihi jahannam wa yu'ta bi jahannama yawma idhin laha 70 alf zimam ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha wa ji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu adh-dhikra. Allah il dira comme sur la Tchessine, ne vous ai-je pas promis au fils d'Adam, ne vous ai-je pas menacé au fils d'Adam de ne pas adorer Shaitan, car il est pour vous un ennemi manifeste, et je vous ai dit de m'adorer, ceci est pour vous un droit chemin. Et Shaitan il a certes égaré parmi vous de nombreuses générations,
Pourquoi n'allez-vous pas réfléchir? Voici l'enfer. Et l'enfer, elle arrive. Elle est tirée par 70 000 brides, 70 000 chaînes. Et pour chaque chaîne, 70 000 anges qui la tirent. إذا سمعوا إذا رأتهم من بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. Lorsqu'ils la verront, ils l'entendront de loin. L'enfer, ils l'entendront vociférer, hurler et crier. وفي الحديث يخرج من جهنم يوم القيامة عنق له عينان يبصران به وأذنان تسمعان به ولسان تنطق بها. تقول وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن جعل مع الله إلها آخر. Il sortira de l'enfer un coup où il y a deux yeux avec lesquels elle voit, deux oreilles avec lesquelles elle entend et une bouche avec laquelle elle parle. Elle dira, on m'a chargé de trois types de personnes. Ce n'est pas une délimitation, mais c'est juste une évocation. On m'a chargé de trois types de personnes. Tout tyran orgueilleux, tout tyran, orgueilleux, celui qui a attribué avec Allah une autre divinité, un associé, et ceux qui ont représenté l'être doué d'âme. L'enfer, il vient, il parle. Et Allah, il le remplira. Il sera plein. لكل منكم ملؤها كما في الحديث في الصحيحين اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي لا يدخلني إلا المتكبرين أو إلى المتكبرون وقالت الجنة لا يدخلني إلا الفقراء والضعفاء فقال الله عز وجل يا أيتها الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ويا أيتها النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل منكم ملؤها. Le paradis l'a dit, Allah, n'entre en moi que les pauvres et les faibles. Et l'enfer l'a dit, Allah, n'entre en moi que les orgueilleux et les mauvais. Alors Allah, il dit au paradis, tu veux miséricorde et je ferai miséricorde avec toi à qui je veux. Il dit à l'enfer, tu veux mon châtiment et je châtirai avec toi qui je veux. Et vous serez tous les deux pleins. Et le jour du jugement, l'enfer, il sera plein. Et Allah, il lui dira, halim talat, est-ce que tu es pleine? Et l'enfer, il répondra, halim mazid, est-ce qu'il y en a encore? وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Et le paradis sera rapproché des croyants sans qu'il ne soit loin. ونصبت الموازين وتطايرت الصحف. أمر عظيم لو كنا نعقل. C'est très grave, c'est très très important si seulement on réfléchissait. Les balances seront posées et les livres des actions voleront. Chacun atterrira dans la main de son propriétaire. فآخذ بيمينه وآخذ بشماله وآخذ وراء ظهره. Il y en a avec sa main droite qui attrapera. فَنَجَحَ وَفَلَحَ وَحُقَّ لَهُ أَنْ يَفْرَحَ فَنَجَحَ وَفَرِحَ وَحُقَّ لَهُ أَنْ يَفْرَحَ وَأَخِذٌ بِشِمَالِهِ فَخَابَ وَخَسِرَ لَيْسَ بَعْدَ هَذَا الْخُسْرَانِ مِنْ خُسْرَانِ. Les choses seront pesées. Il y en a qui attraperont leur livre avec leur main droite et il gagnera. Il ne sera plus jamais triste. D'autres qui attraperont avec leur main gauche et il perdra. Et il ne connaîtra aucune perte pire que celle-ci. Ensuite, les actions seront pesées. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Celui dont les balances seront lourdes, ils feront partie des gagnants. Et celui dont les balances seront légères, voici ceux qui ont gâché leur vie ici-bas et qui resteront éternellement en enfer. Le feu consumera leur visage. قال ابن مسعود رضي الله عنه, leur langue, leur lèvre inférieure descendra jusqu'à atteindre leur nombril et leur lèvre inférieure se rétrécira jusqu'à atteindre le milieu de leur visage. شيء مخيف مفزع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Quelque chose d'effrayant et d'apeurant pour celui qui a un cœur. Pour celui qui a un cœur et qui a tendu l'oreille et qui est présent. Est-ce que tu as un cœur? Est-ce que tu as tendu l'oreille? Est-ce que tu es présent? Allahu a'lam. وهذا ما تمكننا من ذكره مع دنو وقت المغرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا
وأن يتقبل منا وأن يجعلنا من الصالحين المقبولين وأن لا يخزينا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا, نسأل الله أن يتوب علينا, نسأل الله أن يبدل سيئاتنا حسنات, نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعل ما قلناه لكم حجة علينا, بل نسأله سبحانه أن يجعل ما قلنا لكم حجة لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بما سمعه وأخذه في هذا اليوم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين في جلاله. نسأله عز وجل أن يظلنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأله سبحانه أن يغفر لنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأبنائنا وبناتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ونسأله عز وجل أن يجمع شتات أمرنا على الحق وعلى الكتاب والسنة يا أرحم الراحمين. ونسأله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يهدينا وأن يجعلنا من المتبعين له, وأن يرينا الباطل باطلا وأن يجنبنا هذا السبيل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة نحن وآباءنا وأمهاتنا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, نستغفرك ونتوب إليك, نستغفرك ونتوب إليك, والحمد لله رب العالمين, وبارك الله فيكم أجمعين.